La police encore une fois frappé et fois ça c'est mortellement blessé. Nous pas inviter autant de audio mais nous pas qu'à présenter aux vidéo pour nous pas gain problème avec YouTube. Mesdames et messieurs, nous comptons rejoindre encore sur canal Pola TV lakayhaiti.com pour nous porter deuxième vidéo ça pour vous pendant un petit temps pour nous remercier tous les amis nos compatriotes nos quel que soit côté ouye dans mode ça et eh bien et eh, nous comptons porter information pour vous. Et bien jodi a la tout gain chef gang ti lapli qui même prend coup la police et eh bien et eh, donc mettez en bas code dans yon membre dans groupe gang et eh, donc ti lapli en dans grand ravine et eh bien non citoyen ça ou bien individu ça c'est Nickenson Jean-Baptiste et eh bien yon membre dans groupe gangster qui basé dans grand ravine et bien monsieur une arrestation li et selon information qui disponible dans la police Nickenson était accusé pour vol et pas même membre en dans groupe ganglan qui accusé monsieur et bien pour monsieur lui même t'a sauver poli pour monsieur t'a sauver la ville en bas menegyo li obligé jeter et bien la police mettait la patte sous lui. Yon kidnapping donc qui t'a fait et dévié. Eh bien, kidnapping ça lui-même qui pas arrivé possible, mais c'est bien dommage pour individu ça qui t'a tenté kidnapper citoyen. Eh bien, la police mortellement blessé monsieur. Eh bien, kidnapping ça donc c'est non et donc Delma 33 dans 9h du matin. Eh bien, dans 4 septembre qui t'est passé à là. Eh bien, kidnapping ça lui-même monsieur perdit la ville et la police récupérer et donc machine et va le fort et audio ça nous pas qu'à montrer ou image parce que image là choquante. Et bien mesdames et messieurs, c'est tout détail ça que nous va inviter vous suivre avec nous en dans vidéo ça. Et puis il y a tout ancien sénateur républicain et Joseph Lambert qui lui-même frappé fort jodi à là et il y a toujours et donc ancien sénateur PIA et donc moi Jean-Charles qui lui-même tout fait gros déclaration et monsieur lancé bataille là sur terrain et monsieur confirmé que li pral et donc chanter enterrement toute banque dans pays qui au même pas voulu descendre dollars pour population joignons hein, souffrant en bas la vie. Restez connecté, bonne écoute tout le monde, n'ap tourné. Le fond les machines moi, il y a avec un autre leg, il braque sur moi, mais ça m'a été quand il y a la machine là. Heureusement pour moi, pendant ma première amitié, mon parcours de la police a passé, et pour la première amitié, la police m'a sauvé. Même. Un voleur, même. Il va jamais faire ça encore. Il va jamais kidnapper un autre monde encore. Même. Pourquoi pas PM de vergonde, Jim? Voilà, mesdames et messieurs, avant que nous avancions, nous avons bloqué justement Emmanuel Sanon. C'était présenté devant la cour et je dis là, nous, évidemment, nous avons une photo. Mais celle-là, nous n'oublions pas oublier que Sanon, c'est un monde qui a été grand temps arrêté déjà. Sanon était déjà en bas à corde là. J'en ai suivi nos photos là. Et je ne sais pas plus d'infos sur ça et Salomon. Mais audition Emmanuel Sanon qui dure à peu près 3 heures de temps. Côté qui a posé un paquet de questions, sous question de mon président Jovenel Moïse, mesdames et messieurs. Mais, Gombaga qui a fait là, je nous dis attention à complot. Qui est-ce qui est avocat Emmanuel Sanon et Salomon? On a les pour ça et pour nous comprendre bien. On a du complot contre le peuple là. Complot contre le monde qui a demandé justice au président. Eh bien, je mets juste avant nous entrer dans le détail, dans la question qui est qui avocat son gars, son nez, Emmanuel Sanon, on a parlé de. Pasteur Christian Emmanuel Sanon, il y a amplement un problème à chaque fois de mettre non pasteur devant Emmanuel Sanon, mais c'est pas moi qui ai six carrières de bataille, et c'est six à tout l'intérieur dans le film. Je devais jouer des dîmes lorsque j'ai assassiné le président Jovenel Moïse, et bien c'est comparé pour la première fois, et bien comme on dit, lundi 5 septembre 2021 devant la justice haïtienne. Dans quatre enquêtes sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, pour avocat, mettre son légation, ces derniers et qui considèrent comme nous dans le cerveau les criminels sur les pieds. Voilà, nous avons proposé. Avocat, son garçon, je vais oublier,
et il y a une information. Nous sommes là par rapport avec M. Newton Pejus. Très bien. Songez bien. M. Newton Pejus, c'est en difficulté. Par rapport à des avocats, sous-génés, et peut-être que Barreau, pour au point, ils ont convoqué M. Newton Pejus par rapport à la déclaration qu'il a faite contre ministre Bertrand-Lancé, qui était avocat sous-génère et qui toujours avocat sous-génère, et sans oublier, maître Sonné Garçon. Je dis à là, nous sommes avec facilité, et nous connaissons maître Sonné Garçon. Après, il était avocat et sous-génère, je dis encore, c'est lui-même qui est avocat. Et bien, ça, qui s'en fait un commandant? Est-ce que, ouais, ça est bien. Bah, on au point conseil de l'ordre, décide de convoquer M. Newton Pejus par rapport avec propos qui étaient tenus à l'endroit des maîtres Bertrand-Lancé. Ils ont même dit encore, eh bien, nous avons parlé, ministre justice et ancien avocat sous-génère et ancien bâtonnier avocat sous-génère. Sonné Garçon. Ça veut dire, maître Sonné Garçon, c'est avocat sous-génère. Si Sonné Garçon, c'est avocat sous-génère, je dis, nous connaissons relation Emmanuel Sanon avec Dimitri Vop. Est-ce que qui est capable de payer l'argent ça avec Sonné Garçon pour l'avocat de série de monde? Qui t'a assassiné pour le Jovenel Moïse. Qu'est-ce que nous mesurons bien? Sous-génère, avocat sous-génère, l'un avocat sous-génère, c'est avocat Dimitri Vop. Et bien, je dis, on garde bien pour elle, même si les gars sont sans, je dis, il y a le courage pour la défendre Emmanuel. Emmanuel Sanou. Ça veut dire, sans les gars sont, depuis que vous avez une mauvaise affaire, les avocats, comment on fait? Maintenant, posez-moi une question, ancien bâtonnier. Donc, si courage, ce n'est pas son gagné, pour un monde non impliqué, un cerveau dans l'assassinat président, je ne pas dire non, ou pas qu'un avocat, mais il y a des postes pour être grand. Il y a des gens qui défendent, qu'on a posé cette question, qu'on est là, est-ce que ce n'est pas la même équipe? La même famille, Jimmy. L'autre prend Sous-génère et puis vous prenez Emmanuel Christophe Sano qui est au même bon lien étoile parce que ils sont dans la même famille. Est-ce que je dis, hein, nous allons côté comployer? Comment on fait ce sont des garçons qui avocat des criminels qui étaient participés dans l'assassinat de Moïse? Est-ce que c'est Dimitri qui a fait le coup? Nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est Sous-génère qui a fait le coup? Nous ne connaissons pas. Vous, ce sont des garçons. Ça dépend de ce monde qui est dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Même question pour moi, comment faire un avocat ou à l'aise avec facilité pour défendre des criminels qui étaient inculpés, ont présumé assassins dans l'assassinat de Jovenel Moïse pour à l'aise pour défendre, pour faire dévoiler le camp, pour parler par exemple. Moi, je dis, c'est un assassinat qui est dans l'autre monde. Vine défendre. Christian Sardou, pasteur, excusez-moi, pasteur, sinon nous deux têtes, oui, pasteur Christian Sardou, Jimmy, je dis à qui fierté pour mettre son garçon, ancien bâtonnier, l'ordre des avocats, je dis à son garçon qui était avocat sous-génère, c'est lui-même qui a défendu Christian Sardou, ça a dit nous, ouais, mais qui ça nous voilà. Qu'on a, est-ce que Dimitri va lui-même, et bien, allez-y, allez-y, il dit bon, bon, vous voyez, avocat, son garçon, comme il défend mes biens, ma poisson des garçons, avocat de vice monde qui n'est pas sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Et là, il n'y a pas de complot à sortir. Et là, on a comprendre côté et assassinat président de Jovenel Moïse à sortir. Je veux dire, on est comme défendre Dimitri, je veux dire qu'on a, mais là, on défend monde qui était assassiné au président Dimitri, si je comprends, on a compris. C'est sûr, certain, il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile à comprendre, nous, c'est même équipe là.
je dis à la loi qui a dit qu'on garde silence, nous on reste dans silence, nous avons des messages qui a lancé, il y a des garanties qui bail là derrière nous, ça mesdames messieurs, et soit garder et Félix Badjo et jusqu'à maintenant pour qu'on ait monde qui connaît côté lui soit disant le cachet et bon côté Ariel, mais ou a regardé John Joel Joseph que au prend là, qui des messages qu'a lancé, qui est-ce qui a protégé John Joel Joseph, qui est-ce qui a protégé et famille et John Joel Joseph, c'est même équipe ça dans le cadre Dimitri Vop, c'est même bagala, puis n'a pas l'eau, c'est l'argent l'état, c'est l'argent nous encore monsieur ça va prendre pour protéger Rolé ça ou et criminel ça ou dans le cadre ça non. Ça pas étonné que monsieur dans prison là, pendant la prison là, monsieur dans l'X. Monsieur pas un prisonnier quand vous êtes prisonnier yo. Salomon, nous t'es pas nous t'es commencé parler de ça, nous pas de finir. Mon cher, faut nous tout larguer ce couple là dans cadre et Yannick Joseph. Mon cher, nous t'es dû parler de ça en tout larguer le kounia là pendant que nous rappelons nous info ça, Yannick Joseph et qui tourne en mademoiselle, une petite demoiselle qui a porté manger par prisonnier et en tout larguer frère. Eh bien, Jimmy, selon toutes les informations que nous avons, Yannick Joseph, hein, qui a tourné dans l'actualité, hein, eh bien, selon toutes les informations que nous avons, qui a une bonne relation avec Dimitri Erran. Nous connaissons ancien directeur, chef UPN, hein, et toutes les informations de bonne, tout ce qu'on connaît, eh bien, c'est même Yannick Joseph encore, parle bien des gens qui ont gagné, lui-même, qui a préporté manger en dans pénitentiaire nationale. Hein, il n'est pas venu directement connaître Yannick et par rapport avec Ptagien, mais il dit Yannick Joseph, lui-même beaucoup de parle, c'est lui-même qui fait tout le monde impossible pour faire Dimitri Erran. Manger, je ne demandais, ça veut dire Yannick Joseph, en premier garde comme monde, qui a une relation étroite ensemble avec Dimitri Erran. Oui, est-ce que ça a étonné nous, pas quoi ça? Et pas oublier qui Walt Dimitri a joué dans l'amour président. Et pas oublier Yannick Joseph, là, nous, qui cache, même dans la radio, ça va pas parler. C'est sur Facebook, il a fait grimace. Il nous dit justement, il faut qu'il y ait arrestation qui fait, puis il faut qu'il y ait convocation qui fait. Même Jean nous a convoqué ça, nous, encore là, nous, tous connaissons pièce théâtre, mesdames, messieurs. Nous avons inquiétude, il faut nous faire la vérité. Hein? Nous avons dit que nous espérons que justement, juste ça qui pourrait le poser et supposément faux pasteur Emmanuel Sanon question, nous espérons que yo pas t'après le blanchil. Évidemment pour l'instant nous pouvons connait qui ça sorti, mais n'a pas bloqué dans cadre et question que tu as posé, eh bien ça dure à peu près plus de 3 heures, tu t'as posé la question évidemment pour qu'on y a bagaille pas sorti, mais n'empêche dans cadre Sanon monsieur retourner dans cellule, OK, parce que quelques monde qui t'a demandé nous Salomon, est-ce que yo t'a arrêté Sanon? Oui, Sanon t'a demandé, yo t'a arrêté. Il était arrêté, j'en ai suivi dans la photo là. Oui, et monsieur en bas, mais l'essentiel, son façon pour me dire que je dis là, question ça, façon que tu as auditionné ça, non, il faut lui parler, il faut lui dire des bagailles. Mais quand il y a là, c'est avocat, soi-disant Dimitri Vop qui est venu représenter. Pour qui ça? Son message qui passe, mesdames, messieurs. Message, ça veut dire même le parler, pas citer non Dimitri Vop. C'est simple. Pas citer non Dimitri Vop, pas citer non Boulos, pas citer non et Michel Martelly, et ainsi de suite, pas citer non, c'est ça lié. Mais n'empêche, pour Yannick Joseph, mesdames, messieurs, lui-même, évidemment, comme il était toujours joué un rôle secondaire, c'est-à-dire une marionnette, qui sont non seulement qui a pour manger, qui a fait l'autre bagaille, mais, et Jean nous dit, il faut qu'il questionne le tout, puis il a arrêté déjà, frère.